le discours fait histoire, puisque c'est 70 ans de la Sécu, donc j'ai fait quelque chose d'un peu long, vous m'excuserez. Voilà. Donc, mes camarades, en ce mois d'octobre 2015, nous fêtons le 70e anniversaire de la Sécurité sociale. À cette occasion, se tient ici, dans les locaux de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, un conseil d'administration inter-régime et inter-organisme réunissant les bons gestionnaires de notre bien commun. C'est pour cette raison que le syndicat CGT des organismes sociaux du Puy-de-Dôme a tenu à être présent ici aujourd'hui avec vous pour faire entendre sa voix. D'abord pour convoquer l'histoire et honorer la mémoire du Conseil national de la résistance, de tous les résistants. La mémoire des créateurs, ces hommes et ces femmes, nos aînés, qui ont imaginé et fondé les institutions de sécurité sociale. En octobre 1945, contre le nihilisme et la barbarie. Rappelez ensuite le rôle fondamental et essentiel des militants de la CGT dans cette conquête de justice sociale arrachée de haute lutte. Évoquez aussi les valeurs et les grands principes d'un système solidaire et universel, pilier de la démocratie. Convoquez enfin Ambroise Croizat, le militant CGT devenu ministre du Travail, qui s'adressant aux salariés, aux travailleurs salariés, disait « Rien ne pourra se faire sans vous. La sécurité sociale n'est pas une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle a besoin de vos mains. » Rappelez cette exigence à l'heure où le grand capital, servi par des idéologues libéraux et de médiocres pouvoirs, s'emploie méthodiquement à déconstruire notre sécurité sociale. Camarades, dans le contexte de misère et de souffrance sociale des années 30, l'Europe et le monde ont vu se dresser des forces brutales, insensées et aveugles. Des régimes fascistes se sont imposés, institutionnalisant la violence, emportant l'humanité vers la guerre totale. Il fallut verser le sang contre le nihilisme pour restaurer ce qui fait la dignité de vivre. Ils sont nombreux, les militants de la CGT, qui rejoignirent la résistance, qui donnèrent leur vie pour faire triompher la liberté. Il fallut se relever d'Auschwitz. Et les militants de la CGT ont répondu présent au lendemain de cette tragédie. Plusieurs millions d'adhérents pour exprimer un message « Plus jamais ça ». Il s'agit de porter l'espérance, d'imaginer un vivre ensemble qui dresse des barricades, qui érige des remparts contre la barbarie. Les institutions de sécurité sociale, ce sont des valeurs en acte, au fondement d'une société progressiste. Il s'agit de bâtir entre les hommes une arche d'alliance contre la misère et l'exploitation, faire de la solidarité un principe premier et un devoir. Solidarité entre les générations, entre les malades et les bien portants, au sein d'un système universel où chacun cotise à hauteur de ses moyens pour en bénéficier à hauteur de ses besoins. Ainsi, constituer une société qui protège les plus fragiles contre les risques de l'existence humaine, qui assure à chacun dignité et moyens de subsistance. Il s'agit aussi d'affirmer un principe de démocratie contre la servitude. La sécurité sociale doit être administrée par les assurés eux-mêmes, seul garant légitime du respect des valeurs fondatrices. Nous retiendrons le parcours d'Ambroise Croizat, cet enfant qui rentre à l'usine dès l'âge de 13 ans comme apprenti métallurgiste et qui toute sa vie combattra dans les rangs de la CGT pour proposer et construire un monde plus juste. Nous retiendrons le parcours de cet homme qui deviendra ministre du Travail de janvier 1946 à mai 1947 et qui dirigera, orientera la mise en place du système de sécurité sociale. Nous n'oublierons pas qu'il était porté et soutenu par ses innombrables camarades de lutte, que Pierre Larocque, le haut fonctionnaire, n'a pas rédigé seul les ordonnances du 4 octobre 1945. Nous n'oublierons pas que les conquêtes sociales s'arrachent collectivement et que nous, les militants, les politiques, au sens noble, les premiers du terme, avons la force d'écrire l'histoire. Nous n'oublions pas. Nous rendons ici hommage à nos aînés, aux sacrifices qu'ils ont consentis pour proposer, fonder et nous léguer une société dans laquelle l'humanité, la dignité, la solidarité et la démocratie constituent les valeurs cardinales. Camarades, par la création d'un salaire différé, collectivisé, imposé au patronat, nos aînés ont su s'ériger contre la paupérisation pour assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, pour faire enfin de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire, selon les mots d'Ambroise Croizat. Depuis lors, les forces réactionnaires et ces chiens de garde n'ont de cesse d'attaquer les institutions de sécurité sociale et de vouloir dénaturer les valeurs du projet initial. Leur programme, nous le connaissons,
Il est énoncé clairement par Denis Kessler du MEDEF dans la revue Challenge. Pour les grands patrons, il s'agit aujourd'hui de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance. Le premier coup est porté en 67 par voie d'ordonnance. La gestion du système de protection sociale est scindée en branches et les directeurs des caisses nationales sont désormais nommés par décret. Cette trahison sape les fondements de la démocratie sociale et dépossède les assurés de leur pouvoir de décision et d'orientation. Cette dépossession a permis à des gouvernants aux ordres de satisfaire les intérêts des puissants. Ces derniers portent la responsabilité du déficit. Depuis la fin des années 80, les mesures de régression sociale s'accumulent. Le chômage de masse permet au patronat d'exercer un chantage permanent et d'obtenir des mesures d'exonération à hauteur de 50 milliards d'euros annuels, à son seul profit et sans aucune contrepartie. Pour les employeurs, dans leur logique d'accumulation infinie de capital, nos cotisations sont des charges. Mais c'est de nos salaires dont il s'agit, de nos salaires socialisés pour le bien commun. Les pouvoirs publics ont adopté la logique comptable et financière et le langage du patronat. Les lois de financement de sécurité sociale visent désormais à réaliser des économies, toujours au profit des employeurs. Performance, efficience, rentabilité, ce sont les mots des exploiteurs. Et ces mots ont une réalité matérielle. Suppression d'emplois, diminution des prestations, détérioration des conditions de soins, hausse des inégalités et insécurité sociale. Toutes ces mesures s'inscrivent comme autant d'atteintes au bien-être collectif, à la santé, à la vie. Les personnels de la santé publique et des organismes sociaux sont épuisés et n'ont plus les moyens de remplir convenablement leur mission. Et seuls les privilégiés peuvent avoir recours aux assurances et cliniques privées. Voici les effets de prédation du libéralisme économique et d'un capitalisme financier incontrôlé. Lors de son discours au Bourget en janvier 2012, le président Hollande désignait la finance comme son véritable adversaire. Mais ces mesures pour la protection sociale se font au détriment des travailleurs salariés et des allocataires. Modulation des allocations familiales, fermeture des centres d'accueil, réforme du congé parental, gel des pensions de retraite, suppression de 7500 emplois dans les organismes sociaux, dispositif zéro charge et 10 milliards d'économies de dépenses de sécurité sociale. Pour conclure, mes camarades, de ces bons gestionnaires, graves dans leurs propos, mais petits dans leurs vertus et légers dans leurs actions, nous ne voulons plus. À ceux qui sont réunis tout près d'ici, pour parler d'enjeux, de défis, de perspectives, nous réaffirmons ici que priment les valeurs fondatrices énoncées par le Conseil national de la Résistance pour une protection sociale universelle, solidaire et démocratique. Pour combler le déficit de la sécurité sociale, nous proposons d'augmenter le salaire socialisé. Nous revendiquons la taxation des revenus financiers au même titre que ceux du travail. Nous proposons que la lutte contre la fraude aux cotisations sociales soit dotée de moyens d'action renforcés. Nous revendiquons l'abandon de toutes les mesures d'exonération, notamment pour ces multinationales qui génèrent des profits colossaux, mais détruisent des emplois et organisent l'évasion fiscale. Mes camarades, à l'heure où la xénophobie et la haine s'expriment à nouveau sur la place publique, la CGT revendique une réaffirmation du principe démocratique par une gestion collective, socialisée, du travail, de la production et du pouvoir. À l'heure où notre pays compte 5 millions de chômeurs, à l'heure où il nous faut désormais travailler pendant 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la CGT refuse l'aliénation, revendique l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite, la réduction du temps de travail et le partage du travail. Lors de son dernier discours à la tribune de l'Assemblée nationale en octobre 50, Ambroise Croizat déclarait « Jamais nous ne tolérerons qu'un seul des avantages de la sécurité sociale ne soit mis en péril ». Il affirmait aussi « Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et le progrès ». Camarades, pour conclure, nous sommes ici pour rappeler que ces mots ont du sens. Nous sommes ici pour rappeler que l'humain et le politique doivent primer sur l'économie de marché. Notre défi est d'imposer une lutte sociale et démocratique pour vaincre le sentiment d'atomisme social et recréer des solidarités. Je vous remercie. Bravo. Et bien là, le ton est donné, mes camarades. J'avais lu l'intervention de Brice. Je viens de l'écouter avec ses tripes. Alors c'est les tripes de Brice. Mais aujourd'hui, c'est les tripes
des militants de la CGT que Brice vient d'incarner, et je pense que nous devrions être en mesure dès demain de diffuser son intervention dans les syndicats, au plus près des salariés, au plus près de la jeunesse aussi, qui forcément, avec cette vieille dame de 70 ans, qui encore, on l'espère, un long avenir devant elle, faire comprendre à la jeunesse que la Sécu ne date pas d'Hérode, que la Sécu n'a que 70 ans, que ça fait 70 ans qu'elle est attaquée et que nous sommes prêts, pendant 70 ans et encore plus, à la défendre. Merci à Brice, surtout, pour cette intervention que nous... Cette intervention que nous vous demanderons de diffuser. Alors nous sommes sollicités pour plusieurs interventions encore. Moi je trouve ça très... Enfin, la CGT trouve ça très intéressant de pouvoir mettre sur la place publique ici, avec ceux qui ont bien voulu se rassembler, qui veulent bien écouter, comprendre...